Cette vidéo concerne musée d'art et sanctuaire de Toul. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le musée d'art et sanctuaire de Toul est un musée de la ville Toul qui comprend entre autres des peintures, des tapisseries, des faïences et de l'archéologie. Il existe depuis 1872. Il occupait jusqu'en 1939 une partie de l'ancien palais épiscopal qui partageait avec la mairie et différents services administratifs. Depuis 1985, le musée est installé dans l'ancienne maison Dieu dont la fondation remonterait au VIe sous l'épiscopat de Gérard de Toul Saint-Gérard 963-994. Une grande partie du fond lapidaire est conservée et exposée dans l'ancienne chapelle des malades construite au XIIIe et de style gothique. La maison Dieu pour cette salle des malades incluant la chapelle, le cloître ainsi que la porte d'entrée a été classée au titre des monuments historiques France Monuments historiques par arrêté du 6 juin 1980 Mérimée Papa. Collection salle d'archéologie préhistoire défense de mammouth champ apig défense de mammouth champ apeyage pierre poly benoît vogue en pierre poly épée tout gpe coupe sen coupe de l'Athènes. Fossiles de Stenosaurum historiche fut découvert à de Martin Letoul, une partie de la collection des Étienne Dominique Collery, instituteur à Alain et archéologue du XIe siècle, une partie de la collection des André Janot, préhistorien du XIe siècle, qui a prospecté toute sa vie en Lorraine et particulièrement en Meurthe et Moselle et en Meuse département Meuse, objets préhistoriques récoltés à Pierre-la-Trèche au trou des Celtes. Moyen-Orient collection d'objets en provenance d'Égypte, de Babylone, de Syrie, briques, terre cuite, Babylone, Irak, briques de Babylone, saut cylindre néo-sumé, saut cylindre de Sumé, saut ur 3, Irak, et des ur Mésopotamie, ur. Fil Syrie vers à offrande funéraire 4.